7. Ndashaka
yahubwo ndashaka gukora n'ikinyarwanda nkakiga neza taske nkakimenya nanjye narumva kiga ariko nawe iyo amaze kuba ku kazi ese uritwoki ariko nabonye wapi iyo ugiye mu kazi n'ibyo guhura nabi wacu rero akazi n'ubwo burimo ibyo ushaka gukora Il y a ma campagne à Bricard, vous avez assez les usines à le poste. Il y a autre chose que vous gagnez. Vous avez un peu de temps. Ça va, allô? Allô?
Nikad. Ya, nisawa. Mikrofone. Tufata nani ya laptop. Tufatusha kapi konekta kuri mikrofone aliko tibiliku. Definitely.
Miroho miroho shuti wakuzi wamukirabu tivuan. Huko mwibona mwanya turi muhango gusezeraho Musenyeri Jerome Gapangwa. Musenyeri Jerome Gapangwa aritegura kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Aha rero ni umuhango watumiyemo abaganga mwinshi uri kubera mu gihugu cy'u Bubiligi muri Provence ya Liège. Uko mukomeje kubibona hano abantu barimo kwakirwa, abantu barimo gufungura baturutse hirya no hino. Nyuma yaho rero imihango irakomeza, turakomeza tubibagezeho kuko ikomeza kugenda. Ngahe turabakiriye mwese abadukurikirana kuva mu mpande zitandukanye hirya no hino ku isi. Ikaze kuri Mukirambi TV One. Haba mu ivugabutumwa muri Provence ya Sud Kivu ndetse n'i Roma ndetse no mu Bubiligi yagize neza, kandi turasaba kuko n'abandi bazakomerezaho. Tuboneyeho n'umwanya wo gusuhuza cyangwa se wo gushimira CEO wa Umurage TV wagize icyiyumviro cyiza cyo gushyiraho Kirambi TV. Yagize neza kandi azakomerezaho. Muri uyu mwanya turimo turiyakira abatumirwa, abashyitsi, abasangwa. Byagenze neza kandi murabibona namwe ko bibereye ijisho. Ibi ni ibintu byiza, ni urugero rwiza kubona Musenyeri agejeje imyaka 80 irenga akiri umuyobozi cyangwa se akihaye atanga ubutumwa bwiza. Turamushimiye rwose kandi n'abandi tuzigire urugero kuri Musenyeri. Murakoze. Ok, merci. John,
Nous avons beaucoup appris de lui.
kugeza n'ubu bikamena n'umutugira umubano mwiza cyane n'abafite bibo Mais c'était une chance encore de pouvoir le côtoyer ici une fois que nous avons déménagé. Mais quand on est plus âgé, nous, c'était plus facile de rapprocher, souvenez-vous de l'histoire de la souffrance. Même s'il est notre cousin, il nous a toujours fait presque comme des égaux. Nous avions une référence envers lui. Il nous a conseillé dans plusieurs choses. Il nous a appris beaucoup de la vie. Nous avons appris beaucoup de lui sur notre cheminement ici aussi. Et nous le remercions pour tout. Que Dieu le bénisse. Nous savons que le pauvre père peut être un peu rude, et du coup, on peut comprendre la raison pour laquelle il peut un peu s'approcher un peu plus du terrain solaire. Abate, c'est comme
Évidemment, nous ne savons pas si nous avons des autorités belges, mais si quelqu'un qui représente les autorités belges ici, mais nous remercions les autorités belges qui ont eu la majorité de recevoir Monseigneur. Côté bon week-end. Yep, yep. Nous remercions Monseigneur, l'évêque de Liège, qui a pu accueillir tous les prêtres et tous dans son pays, et servir l'église dans son pays. Et je remercie aussi de tout cœur Monseigneur Jérôme. Voilà qu'il a trouvé en Belgique une nouvelle patrie. Il a vraiment été au service de notre diocèse de Liège et je le remercie de tout cœur. C'est un grand moment d'humilité pour un évêque que de servir comme un prêtre de paroisse. Et cependant, Monseigneur, pendant plus de 10 ans, a été au service du diocèse de Liège d'une façon exemplaire et d'une façon qui nous a tous étonnés en profondeur par sa présence, par sa parole, par son témoignage. Nous savons que vous avez vécu des événements difficiles, mais vous avez eu aussi la sagesse d'être ici dans la sérénité. Vous avez témoigné d'un esprit de paix et vous avez manifesté dans notre société belge la présence de la paix dans sa sérénité et aussi dans son témoignage commun. Et donc je suis très heureux de vous avoir côtoyé. J'ai déjà souligné auprès de Monseigneur sa présence constante aux grandes cérémonies de notre diocèse à mes côtés pour les messes des grandes occasions, que ce soit la fête de Dieu, que ce soit les chrismales, que ce soit les ordinations. Et c'était pour moi une joie d'avoir un autre prêtre. Il a ainsi manifesté aussi que vous pouvez et qui nous permet de rester en lien d'amitié. Je vous souhaite donc beaucoup de joie dans votre retour et beaucoup de joie dans votre présence sur la terre africaine. Merci de tout cœur. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci beaucoup. Donc, lui offre une vache qu'il recevra très bientôt.
Merci beaucoup. Si on n'était pas dans cet espace, évidemment, si on avait beaucoup de temps, j'allais se lancer pour la fin. Mais du coup, je donne la parole. Alors, comme vous avez entendu, il y a le frère de Monseigneur qui est venu de très loin, des États-Unis, pour être avec nous. Permettez-moi de vous donner aussi la parole pour nous partager la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas où commencer. Avant pour moi de parler, parce que je n'avais rien à dire. Et au fur et à mesure que John a prévu mon Seigneur en parler, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de choses à dire. Mais je vais essayer d'être un peu bref. Tout ce que je peux dire, c'est de remercier d'abord l'organisation. Les organisateurs qui ont pensé nous inviter aussi. Étant loin, ce n'était pas facile. Ça nous a pris du temps pour décider à venir. Dieu nous a aidés et nous sommes ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la communauté de Liège, par exemple, qui ont voulu être avec nous. Pour commémorer et dire au revoir à mon Seigneur et mon frère, je leur ai dit aussi merci. De façon particulière,
John Lally. Je voudrais remercier la province, je pense, de Liège et le diocèse de Liège. Quand on étudiait à l'école secondaire, on étudiait la géographie de l'Europe. Je connaissais la Belgique, je connaissais le Bruxelles, mais moins Liège. Mais quand nous avons appris que notre frère, Monseigneur Jérôme, a trouvé l'asile dans le diocèse de Liège, on s'est intéressé au nom de Liège. Merci aussi, Monseigneur, pour représenter le diocèse de Liège, pour avoir accueilli notre frère, Monseigneur Jérôme. Moi, je viens des États-Unis, je suis le frère cadet à Monseigneur Jérôme. Quand je suis arrivé ici, je ne connaissais pas Liège, mais j'ai trouvé qu'il est dans de bonnes mains. Il est entouré de bonnes chaleurs communautaires. Et je crois que ça va nous marquer aussi quand ça va partir. Au reste, je souhaite à tous une bonne fête pour mon Seigneur. Et vous continuez à être avec lui tout le temps qu'il vous parle. Merci beaucoup. Bref, mais très profond, évidemment. Ici, sous peu, on va écouter le mot de Monseigneur. Mais avant cela, Alexis est venu de l'Angleterre. Il fait partie de la famille, la grande famille élargie de Monseigneur. Il veut une minute pour dire ce qu'il a à dire, Monseigneur. Et à un moment, il s'est anglicisé. Il veut que j'interprète. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais remercier. Ce que je veux dire, c'est un mot de merci. Je remercie Dieu qui vous a aidé, qui vous a donné comme cadeau. Et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour notre grande famille à l'origine des Manamoulins. Et nous avons eu besoin de vous et nous avons toujours besoin de vous. Sagesse, madame, vous avez traité. Votre sagesse que Dieu vous a donnée en cadeau, notre grande famille en a toujours besoin. Là où vous allez, nous savons toujours que partout où vous serez, nous sommes fiers de toujours vous avoir et que vous avez toujours été un atout pour la grande communauté. Je sais que vous avez écrit un livre, que vous continuez à écrire d'autres, et je vous remercie que vous puissiez le faire, parce que nous avons besoin que des gens écrivent votre histoire d'abord, mais aussi notre histoire. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite toutes les bonnes choses et toute la grâce de Dieu là où vous allez, mais aussi toutes les bénédictions pour une encore plus grande longue vie où vous allez parce que nous serons toujours besoin de vous. Merci beaucoup. Et évidemment, comme vous avez dit avant, on dit toujours, je crois, c'est là, mais non, c'est pas dans notre culture, c'est dans la grande culture. Ici, là, on va écouter le mot de Monseigneur, mais après, même après ça, on dit toujours que la bouche parle de l'abondance du cœur, donc s'il y aura des gens qui ont quelque chose à dire, des cadeaux et tout le reste, soyez libres de le faire, mais d'ici là, on va écouter Monseigneur, c'est... On ne clôture pas encore, on est encore là, on a un mot chez nous, Guitaramo, on est juste un samedi, Guitaramo, ça veut dire... passer une bonne, agréable soirée et on est dans cet espace. Monseigneur a dit quelque chose sur le temps, avoir le temps. Quelqu'un m'a dit que les Africains disent que les Suisses ont des montres et les Africains ont le temps. Les Suisses ont des montres et les Africains ont le temps. Donc, nous avons le temps. Avec la permission de la Suisse. Merci beaucoup. J'entends Monseigneur et je vous en prie.
Alors, nous savons évidemment qu'il y a certaines personnes qui ont la pression du temps. Comme on a dit, on
pouvoir toujours créer cet espace, mais d'être. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Évidemment, chez nous, il y a la grande vache, mais il y a des torions aussi qu'on veut donner. Donc, il vient de donner le petit torion à Monseigneur. Merci beaucoup. Monseigneur, j'imagine qu'on a vu déjà, il y a beaucoup de gens qui étaient ici avant, qui sont partis. Je ne sais pas combien de temps Monseigneur ou d'autres personnes ont, mais nous, on n'a pas beaucoup parlé, mais je pense que vous avez quelque chose à dire aussi à l'assistance. Comme j'ai dit, ce n'est pas un au revoir, on est encore ici, mais peut-être l'assistance aurait besoin d'entendre un mot de Monseigneur. Je donne la parole. Sentez-vous libre de rester là où vous êtes. Vous qui m'avez accueilli de votre prédécesseur, vous étiez professeur encore à l'université. Là, on se voit de temps en temps dans le fait vous venez comme professeur de l'histoire. Et quand vous avez été ordonné évêque du terrain, moi aussi je voulais poser les mains. Et je me suis dit, vous avez déclaré, au moins il y a un Africain. C'était moi. Depuis lors, on a une bonne relation. Attention, on lève de distance. Je ne peux pas. On peut la parler de ce vierge qui ne connaissait pas, qui a découvert. Moi-même, je ne connaissais pas. Quand je demandais asile ici, je ne connaissais pas rien. Je tiens à vous. Pour l'esprit humain, je cherchais où aller, où vivre, j'avais déjà démissionné. Et un confrère évêque qui m'avait connu en Afrique, qui travaillait comme secrétaire à propagande à la ville, me dit je vous donne un conseil. Écrivez à l'évêque de Liège, je le connais, et vous accueillez. C'est Monseigneur la Louise Yosef. On ne se connaît pas. S'il faut, moi je l'ai écrit pour vous annoncer. C'est Monseigneur José Polonais qui a été en Afrique. Et là, il est mort de voir la croix. J'ai écrit à Monseigneur que je ne connaissais pas. Un diocèse que je ne connaissais pas. Le même jour, il me répond, venez. Quand moi j'étais foudroyé, je ne réponds moi aussi, Monseigneur, on ne se connaît pas. Est-ce que je peux te dire pour voir que c'est mon nom très plutôt? Venez si vous voulez. En octobre, c'était au mois d'octobre 2006, je prends l'avion, j'arrive à Liège, il y a la Bécassa qui était là pour m'accueillir, il me loge dans l'hospitalité chez les sœurs. Le lendemain, il me donne une voiture avec un chauffeur, la demoiselle qui est devenue bénédictine aussi dans le monde. Il m'a même fait Monseigneur. Pour là, ça durait 40-30 minutes. C'est-à-dire que Monseigneur, je vous ai accueilli, je n'ai pas besoin de vous voir, mais je vous verrai bien ici. J'étais sidéré. Je prends l'avion, je vais à Rome depuis une bagage, j'ai encore
dès la manière de vivre, j'avais beaucoup de visites, j'ai envoyé en Afrique, j'ai envoyé en Afrique, le 23 décembre 2006, tout en fait, j'ai compté jusqu'au jour de 16 ans. Entre temps, je suis venu, votre nation, on a vécu ensemble. J'ai mangé les fêtes de mon été pastoral, j'ai commencé en 2009. À Iowa, Espimo, Sanctuaire, et qu'à ça, à Léopold, on a bien travaillé en ce qu'on a bien géré. Tout cela m'a beaucoup marqué. Mon départ, je suis international. Je me demande, est-ce que vous êtes content de partir? Je dis oui et non. Oui, pas que je sais où je vais aller, mais non, puisque je kiffe, et non, que j'aime bien. Pas seulement la colline, non, l'endroit de Dieu, c'est les personnes. Donc, tout cela, je l'ai mis en fond de remerciement, que les gens sachent que je pars avec beaucoup de gens qui sont. Pour cela aussi. Maintenant, je vais vous expliquer un peu, évidemment, tous les autres sont partis, les confrères qui ont des ministères, ils sont partis. On a dit beaucoup de choses de notre culture ici que si on ne comprend pas, on parle comme ça, on se pose qu'est-ce que ça signifie. D'abord, la vache. Pour notre tribu de Banyamulenge, pour les Rwandais, même au Rwanda, la vache, après Dieu, c'est la valeur suprême. Nous sommes comme des Indiens, tout petit peu. La vache. Donc, un homme qui vous aime, le meilleur cadeau qu'il peut vous donner, c'est la vache. Elle peut être petite. Peut-être même un peu pas très en bonne santé, mais le nom vache, c'est une valeur irremplaçable. Pourquoi? Je vais vous amuser, bien vérifier les gens qui vont demander une histoire sur cette histoire. Une vache, c'est notre banque de survie parfaite toujours. Je commence par décrire toute la vache. Je commence par les. C'est comme nous avons des vaches à cornes. Hein. La corne de la vache, quand on enlève la partie chair qui est dedans, on l'utilise soit pour garder de l'eau, c'est tout ça. On peut dire comme une trompette pour appeler les gens par la vide, les lobes, c'est juste la vache. Mais sur la corne, la chair ou la main, chez nous, on ne mange que la vache et la chair, pas autre chose. Comme viande, sans peau. Je parle de temps de jeune, vous ne connaissez pas ce que je pense. Vous pouvez mieux que nous ici. C'était notre matelas et même de notre couverture, la peau de la vache. Son nom est en vue de moi, j'ai vécu quand j'étais petit, je faisais 8 mois, ne vivant que de lait 5 fois par jour. 5 fois par jour. Pas autre chose, il n'est que moi du lait là-bas. Donc c'est ma vie. Après maman, papa, qui est dans votre maison, c'est la vache. Voilà ça, ma mère, pourquoi on parle des vaches aujourd'hui. La vache, c'est pas ça. Voilà ça qu'elle signifie pour nous la culture de la vache. On va se marier. Il n'y a de d'autre que par la vache. D'autres avec ni chien, ni chèvre, ni mouton, non, vache. Donc, on ne peut pas avoir une épouse et des enfants sans avoir doté. Et doté, c'est la vache. Donc, la vache qui est dans le ventre qui vous dérange. Vous buvez ça, et alors vous êtes guéri. Et je dis ça quand j'étais petit. Vous prenez une bonne, une gongora, ça m'a gardé. Tu vois ça, toute la journée tu es dans la forêt, et le lendemain tu es guéri. Un médicament naturel. Vous voyez, ça n'est rien là. Mais il faut savoir ça, que la vache, on l'utilise de la tête jusque sa queue, quand elle est morte, on la prend. On l'utilise, changer. Il y a des gens qui ont besoin de ces micros. Continuez. Je voulais juste vous
rapprocher du micro. Donc, la queue de la vache a la culture. Donc, bien sûr, pour la queue du numéro. Nous sommes aussi appelés pour travailler. On est, on mange dessus. Pour que ça soit solide, on émet la queue de la vache à la peau. On enlève la chèvre, l'os. On insère dedans, c'est-à-dire comme ce micro ici. Et bien votre sein, brise la galpa. Voilà. Donc, une protection sur. Donc, de la corne à la vache, à la peau, pour tout ça, vous pouvez faire votre des travaux. Vous mettez, on coupe le morceau, ça devient une corde pour réparer d'autres choses. Donc, une vache, c'est tout un autre, tout. C'est pourquoi je vous dis, je vous donne la vache, il me donne la vie ici. Acheter des choses, même la nuit, dans les petits magasins de nuit. Donc, il n'a pas dormi depuis, peut-être depuis avant-hier. Quand il est calme. Donc, vous avez fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour ce moment de convivialité. Merci beaucoup. Le frère de Saint-Jean, j'ai essayé d'expliquer aux amis, c'est pourquoi vous appelez des frères, alors que vous êtes des frères. C'est la fraternité que vous avez choisie comme mécanisme. Merci beaucoup pour m'avoir donné cette salle. C'est pas la première fois. Ça veut dire que j'ai été aussi, mais 25 ans d'épiscopat, ici dans la grande école, pour ça, plus grand accord. Cette proximité, nous avons construit avec vous et moi une relation vraiment affective et effective. Grâce à vous, frère Alain, j'ai connu la vie. Grâce à la spiritualité de Faustina. Alors, c'est là que j'ai compris cette spiritualité-là, c'est grâce à cet événement. Donc, je comprends, le deuxième dimanche de Pâques, la miséricorde, c'est là qu'il m'a vraiment enfoncé le clou pour que ça puisse se tenir dans mon cœur. Donc, merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour moi, ce que vous êtes pour moi, ici à Bané, même pas là. Monseigneur, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient quelque chose à vous dire. Peut-être si on reste ici longtemps, on va improviser et leur donner de l'espace, mais pour probablement ne pas oublier les gens qui veulent peut-être parler ensemble, on aurait pu lire votre CV qui est très riche. Je conseille à chacun de regarder peut-être sur YouTube les célébrations qu'ils ont fait à Kigali. Pourtant, vous aider aussi avec le document. Mais comme vous savez, on peut passer la nuit ici si on devait lire l'histoire de Monseigneur. Ce que nous savons, c'est que ce nom, il a été, comme beaucoup l'ont dit, une très grande personnalité qui a ouvert la voie et les yeux pour beaucoup, pas que dans sa communauté, notre communauté, Madame Leng, mais le Nec d'Ouvira, qui est un diocèse de 36 000 kilomètres carrés plus, c'est-à-dire un diocèse, si je m'abuse, autant grand, si pas plus grand que la Belgique. Plus grand que la Belgique. Et il a dirigé ce diocèse jusqu'à ce que l'histoire tragique de la République démocratique du Congo a fait qu'il puisse rester là. Et
une des choses que nous célébrons aujourd'hui, c'est le fait que, comme cela n'était plus possible, malgré lui, un diocèse qu'il a servi avec brio, et cela est écrit au Congo aussi, dans beaucoup de manuels, ce qu'il a fait à l'époque, les réalisations sont certaines, il y a des paroisses créées, il y a des routes tracées, une anecdote très importante, je me rappelle de Monseigneur, en train de creuser une route vers ma... le fait que Dieu lui a donné une très longue vie. D'ici là, il va célébrer 85 ans. La sagesse, de l'autre côté, je ne vais pas utiliser un mot négatif. À 85 ans, beaucoup de gens peut-être commencent à oublier, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'ils ne sont plus les personnes qui étaient avant. Monseigneur, chaque année qui passe, en fait toujours un sage dans tous les sens du mot. Et nous remercions Dieu, et aussi lui, pour cela. Et beaucoup de gens nous disent ce que vous avez fait, ce que vous avez été, ce que vous avez vous représenté. Beaucoup disent ce que vous avez fait matériellement, historiquement, et ça c'est très bon, c'est bien toujours de les célébrer. Mais le symbole même de Monseigneur Jérôme Gapalois en 85 à Ouvira, c'était l'histoire avec un grand H. Ce qu'il a représenté dans une communauté, venant d'une communauté d'abord majoritairement pas catholique, mais plutôt protestante, et ce qu'il a représenté pour la jeunesse, pour les aspirations, des études, des ambitions, mais aussi surtout pour l'histoire de la persécution dont sa communauté a toujours été, notre communauté a toujours été en RDC. Le symbolisme de son être a été et toujours reste incalculable. Et nous ne pouvons que le remercier et remercier Dieu pour cela. Et je demande encore une fois de l'applaudir pour et donc, comme beaucoup l'ont souhaité, nous espérons que vous aurez... Les gens avaient combien d'années encore dans la Bible? Je crois qu'il y avait des gens qui avaient 700 ans ou 800 ans. Si cela est encore possible, on espère que le Dieu de mon Seigneur lui donnera encore l'âge de Noé. C'était qui encore? Et Noé ou Noé qui avait beaucoup? Ok. Le pasteur avait dit Methuselah. Que Dieu vous donne l'âge de Methuselah. Vivez encore plus longtemps, restez cette sagesse et nous sommes très contents d'avoir pu organiser avec vous cette célébration pour vous dire au revoir et restons ensemble. On vous remercie. Et la fête continue comme de tout à l'heure. Merci. Et évidemment, on va parler avec les neurones ici. Si on peut encore prolonger, on peut toujours continuer à poser. Mais quand on nous dira que le temps presse, évidemment qu'on va bien s'occuper. Mais continuez à poser, continuez à partager un verre. Quand besoin il y a, quand on aura checké avec les organisateurs. Malheureusement, le système nous complique un peu. Merci. Nimbeu.
Oui, à quoi est-ce qu'on est gâché? Non, encore la Belgique, la France, moi, on a des Non, c'est pour rien.
Bonsoir tout le monde. Je suis Hélène, je suis une maman de trois enfants. Et je vais parler, c'est juste une carte que les enfants ont écrit pour le Seigneur. Et les filles ont été ici en Belgique pendant une année. Et ils ont été avec mon Seigneur, je pense, chaque jour. Mon Seigneur les a beaucoup encadrés. C'est Tania, Taïra et Tacha. Tania et Taïra sont des jumelles. Et on a une information trop tard. Et on voulait aussi être avec mon Seigneur. Et comme il part à la fin, nous on sait que nous missions sont marche. Merci pour tout. Nous t'aimons et nous avons l'espoir. Et nous viendrons encore dans ta chambre et faire trop du désordre et te déranger beaucoup. Et ils ont une enveloppe, ils m'ont dit, maman, nous voulons acheter une cravate pour mon Seigneur, mais comme on n'a pas le temps, on va le faire seul. Comme vous remarquez, mon Seigneur continue à marquer beaucoup de gens, appuie les jeunes. Merci. Les jeunes filles, sa famille élargie. Mon Seigneur, il y a un autre cadeau d'un autre genre que les gens ont souhaité vous donner. Jeanne, l'espace est à vous. C'est le cadeau du genre. Thank you.
Yeah.
Non, 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 non
Don't
Donc, nous avons plusieurs rois.